Salut à toutes et tous, je suis Xavier Leloup. À l'occasion de la sortie de Live 11, mes camarades Ableton Certified Trainers de France et moi-même avons réalisé une série de vidéos au sujet des nouveautés du logiciel. Vous pourrez les retrouver en suivant le lien juste au-dessus. Pour ma part, je me suis intéressé à la fonction de suivi de tempo, et pour compléter le sujet, je vous propose de tester ça avec une rythmique de mandoline. J'ai choisi une fois de plus mon soft step afin d'avoir les mains libres pour jouer. Pour info, je ferai bientôt une vidéo sur les contrôleurs au pied. Pour cet exemple, j'utilise deux pads de mon contrôleur, l'un affecté au bouton de lecture et défilement de scène, et l'autre est mappé au bouton Follow, ce qui me permettra de maintenir le tempo fixe quand je le voudrais. J'utilise également la nouvelle fonction de Follow Action de scène afin que les parties s'enchaînent d'elles-mêmes.